Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière étape de notre défi piano en 4 semaines. Donc on est sur la dernière semaine, sur le morceau qui s'appelle Harlequin de Hans Günther Heimann. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais voilà. Si tu me rejoins maintenant, que tu n'as pas encore fait les 3 autres défis, je te conseille quand même d'aller voir les 3 autres vidéos avant de venir faire celle-ci qui est vraiment la fin. Je te conseille de regarder le morceau depuis le début. Pour les autres, vous êtes au bon endroit. On va bientôt finaliser ce défi avec les 2 dernières lignes et surtout avec le gros bloc de nuances. Comment on va jouer ce morceau, parce que si on ne met pas les nuances, pour moi, c'est pas de la musique. On peut avoir des notes, on peut avoir du rythme, mais sans les nuances, on n'a rien d'autre. Donc, on va essayer de raconter un petit peu une histoire. Donc, du coup, comme d'habitude, je vais commencer par reparler un petit peu des petites erreurs que j'ai vues, puisque je te rappelle que tu peux venir poster sur mon groupe Facebook. Tu as le lien dans le premier commentaire. Tu cliques dessus et tu viens t'inscrire sur le groupe et tu vas pouvoir poster tes vidéos et du coup tu auras le commentaire des autres membres du groupe et également mes conseils à moi. Voilà. Et puis surtout tu peux voir les autres vidéos même si toi tu n'oses pas poster ta vidéo. Mais tu mets une vidéo qu'avec tes doigts, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, si tu n'oses pas, tu peux voir les autres vidéos et voir les erreurs des autres ou les difficultés des autres. Souvent, ça motive aussi. On se dit qu'on n'est pas tout seul et qu'on a tous les mêmes difficultés. Donc voilà, ça peut être un bon moyen de prendre confiance en soi et de prendre conscience aussi que c'est pas si évident que ça et qu'on est tous pareils. Et voilà. Et souvent, le fait de voir les autres se corriger, ça débloque aussi des erreurs chez soi. Donc, c'est tout intéressant. Donc, première partie de cette vidéo, les petites choses. Attention, la régularité. Souvent, j'ai senti la première ligne, toujours cette fameuse première ligne, où on va aller d'une certaine vitesse avec les croches et on va garder cette vitesse sur les noirs, ce qui fait que, par exemple, on va avoir la si, do, mi, le pas. On va avoir quelque chose comme ça. Et tu vas garder... Ça, c'est l'erreur première qui revient quand même assez souvent au fil des vidéos. Bien prendre sa pulsation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, etc. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la première erreur. Après, sur plutôt la dernière partie, donc notre étape numéro 3, c'est attention les erreurs de doigté, hein, quand on passe. Ne pas oublier, notamment sur la mesure 23, 24, 25, 26, nos changements de doigté. Je mets le 3, je mets le 4. Ça, c'est important. Et je te conseille vraiment d'avoir une position un doigt par touche. J'en ai certains qui ont les doigts qui s'en vont ici, les pouces qui sont à l'extérieur du clavier. Et du coup, il faut faire sans cesse des allées-venues. Le tiroir, comme disait mon professeur, et le tiroir, c'est pas bon, on risque de se pincer les doigts au bout d'un moment. Donc voilà, on essaye de ne pas faire ça, mais on essaye de ne pas faire ça non plus, ça ne sert à rien. C'est un morceau qui est relativement débutant, entre guillemets, donc on n'a pas besoin de faire plein de fioritures, de petits trucs comme ça. Et le pouce, s'il n'est pas à son endroit, le jour où on en a besoin, ça demande une difficulté de plus et surtout un risque d'erreur. Donc vraiment, un doigt par touche et on ne bouge pas. C'est vraiment un morceau qui ne demande pas non plus de trop gros mouvements. Donc les pouces, ils restent à leur place. Et quand j'appuie un doigt, les autres restent à leur place. Ça ne doit pas bouger. Là, j'ai quand même toujours ma position. Même si j'ai décalé, j'ai toujours un doigt par touche. Je n'ai pas un doigt qui s'en va et puis l'autre qui... Parce qu'autrement, il faut que j'appuie et mes doigts ne sont pas à leur place. C'est super important d'avoir cette empreinte. Systématiquement, je pose ma main, moi, sur le clavier, tac, j'ai des empreintes qui se créent. Et ça, c'est super important. Donc voilà, ça c'était pour les petites erreurs. Après les nuances, on verra dans la troisième partie de cette vidéo. Je te rappelle que de toute manière, dans les descriptions, tu peux cliquer de suite sur ce qui t'intéresse si mon blabla t'énerve ou si tu regardes plusieurs fois. Par exemple, là, on va faire... la ligne 27, 28, 29, 30, mesure 27, 28, 29, 30, donc l'avant-dernière ligne.
Si tu veux la refaire 4, 5, 6 fois, tu n'es pas obligé de réécouter la vidéo depuis le début. Donc, je te joue cette ligne, cette avant-dernière ligne qui va te rappeler bien des choses puisque c'est la même chose que ta deuxième ligne. Voilà, donc c'est exactement la même. Donc, je ne vais pas recommencer main droite, main gauche. C'est la même chose. Si vraiment tu as un souci, eh bien, tu re-regardes la première vidéo. Maintenant, la dernière ligne. La dernière ligne, elle est un petit peu plus compliquée. Donc, je vais te la jouer. Déjà, il va y avoir la fin avec la main gauche qui tricote un petit peu. Et c'est ça qui va être compliqué. Je te la joue. Au-dessus de l'avant-dernière mesure, il y a écrit « ri ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut éclater de rire à cet endroit, hein, même si c'est ce qu'on pourrait croire. Non, c'est « ritardando ». On a des fois « ralentando » d'écrit. C'est « ritardando », ça veut dire « ralentir ». Donc, on va essayer de ralentir progressivement, ce qui fait qu'on va pouvoir poser nos croches tranquillement. Et ce qui est un plus pour cette main gauche qui est un petit peu difficile à cet endroit. Je te parle d'abord de la main droite. La main droite, c'est toujours le même principe. Ça va ressembler beaucoup à notre troisième ligne. Ça va faire si, point, T, ré, do, si, point, T, do, si, la, qui est lié à un autre la. Petit rappel, une note liée quand c'est la même et qu'elle se suit, on ne la rejoue pas. Donc moi, j'ai l'habitude de dire à mes élèves, tu rayes la deuxième note. Si tu ne te souviens pas ce que c'est que les liaisons rythmiques, je t'invite à re-regarder ma vidéo sur les liaisons rythmiques. C'est très très important, tu en as dans tous les morceaux. Je te rejoue cette main droite. 2, 3. 2, 3. Et on tient. Pendant 8 ans. La main gauche. La main gauche, on va la travailler sous forme d'empreinte. On a notre premier accord qu'on connaît bien. Hein, c'est l'accord, le deuxième accord qu'on a utilisé sur la deuxième ligne qui est deux fois, d'accord, ce qui fait que si je l'arpège, ça va faire sol, ré, blanche, sol, ré, blanche. Et après on a cette avant-dernière mesure qui est constituée de croches, donc tu remets bien ton doigt par touche et ça va faire deux croches, deux croches, deux. Ici, le pouce vient s'écarter pour aller chercher le Fa, mais il n'y a que le pouce qui s'écarte, le reste ne bouge pas. Et après, ma main, elle redevient normale. Je te rejoue ces deux dernières mesures. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Blanche, blanche. Ça, je te conseille de te le faire plusieurs fois. Tu n'as pas le droit de t'arrêter ailleurs que sur ton accord. Tu ne penses pas au ralenti, ça sera une option après. Vraiment, tu dois compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après, tu enchaînes toute ta main gauche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. C'est dur de compter en jouant. Si tu y arrives, super. Tu peux toujours mettre ton métronome. Si le 1, 2, 3, 4 te gêne, tu peux rajouter le « et » pour les croches qui va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on met ensemble. Ça va faire 1, 2, précipite pas les croches. Tu as remarqué, mes doigts bougent le moins possible, ils restent sur le clavier. Il y a juste le pouce qui va aller chercher son Fa.
voilà, maintenant on a tout notre morceau, on a tout décortiqué. Maintenant, on va s'intéresser aux nuances, du début jusqu'à la fin. Donc déjà, en parlant de nuances, je parle de tempo, je parle de caractère du morceau, je vais parler de la pédale. Il y a écrit 126 à la noire. Pour moi, 126 à la noire, c'est un peu trop rapide. Ce qui fait que bah, pour mettre des nuances, si je le fais à 126, je n'aurai pas d'interprétation, de sentiment à mettre. Donc du coup, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère le mettre un petit peu moins vite pour pouvoir justement essayer de mettre un petit peu d'interprétation. C'est pas parce que ce morceau est dit de débutant, et attention, on s'entend, hein, débutant, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, c'est pas parce qu'il est de pour les premières années entre guillemets qu'on ne doit pas mettre de nuances, et c'est pas parce que le morceau est plus ou moins facile qu'on ne peut pas faire passer de sentiments, et que bien souvent un morceau facile peut être très très apprécié d'un public, alors qu'un morceau très très compliqué où le pianiste galère, ben, il n'y a aucun sentiment qui passe. Donc voilà, sur un petit morceau comme ça, tu dois pouvoir faire plaisir à un certain public. Donc à toi de mettre ces nuances. Les petites nuances, c'est toutes les petites indications, le P qui veut dire piano, qui veut dire doux. Alors attention, ça ne veut pas dire lent ou vite, ça veut dire doux, c'est-à-dire ça c'est doux, ça c'est fort. D'accord ? Donc voilà, ça c'est pour la petite différence. J'ai fait aussi une vidéo sur les nuances et n'hésite pas à la regarder avec des extraits musicaux, ça te permet de voir justement ces petites différences. Donc le début, il est piano, il y a un crescendo sur la première mesure et il y a un décrescendo sur la deuxième mesure, ce qui fait que l'on va donner un effet de vague. Attention, je n'accélère pas, mais on va commencer doux et on monte et on revient un petit peu comme s'il y avait un écho ou une voiture qui passait d'un coup et qui s'éloignait. Elle se rapproche et elle s'éloigne. Donc quand tu joues ça, pense à cet effet-là. De suite, tu vas le créer. Attention, on enchaîne ensuite la première ligne avec la deuxième ligne, où là, exposition du thème tout doux, doucement, et il y aura juste le crescendo et le décrescendo sur la troisième ligne. Donc, sur notre... ça sera la main gauche qui va parler à cet endroit. Donc je vais déjà t'enchaîner ces trois lignes. Je te rappelle que sur déjà sur les vidéos, tu as toutes les petites lignes, mais tu as également sur le groupe Facebook, hein, tu auras le PDF si tu veux te le télécharger pour le jouer chez toi. Donc au début et doux. À parler et on revient doux, toujours tout doux. Attention à ma blanche, j'en profite pour respirer. Alors éventuellement ici tu pourrais faire un petit ralenti à la fin de cette ligne, c'est pas écrit mais pourquoi pas. Juste avant le changement de tonalité, on respire et attention, et la mezzo forte. Donc on change de tonalité, on passe en majeur qui est déjà plus lumineux, mais en plus on peut appuyer un petit peu plus fort. Ma blanche, et là piano subito, et ça c'est super joli. Et crescendo sur la main droite. Je te conseille de faire vraiment le crescendo sur la main droite, parce que si tu fais sur les deux, de suite, ça va faire trop fort. Tout doux. Pardon, je le refais. J'ai pas fait le... crescendo. Et piano subito. Comme le début.
blanche. Et là, je vais faire mon ralenti. Et je finis en rond. Alors, petite chose pour ton ralenti, le fais pas brutal, c'est-à-dire fais pas un truc comme ça. Ça va être très moche, il faut que ça soit amené progressivement entre l'avant-dernière et la dernière mesure. Et surtout, quand tu l'as commencé, le réaccélère pas. Hein. Tu peux très bien faire comme ça et te dire mais je l'ai ralenti trop. Non, tu n'as pas le droit. Quand tu as commencé à le ralentir, tu le ralentis. S'il est trop ralenti du départ, eh bien, tu ralentis encore plus pour qu'on le sente jusqu'à la fin. À toi d'essayer plusieurs façons de faire. Voilà, ça peut être une possibilité. Voilà, maintenant tu as à peu près toutes les nuances. On peut rajouter la pédale pour ceux qui sont à l'aise et qui l'ont peut-être déjà mise. La pédale, elle n'est pas écrite sur ce morceau, tout simplement parce que c'est extrait d'une méthode donc pour débutants où c'est une difficulté supplémentaire. Donc à mon avis, le compositeur l'a pas mise, non pas parce qu'il l'a pas senti utile de la mettre, mais parce que c'est une difficulté en plus. Donc moi je te conseillerais, si tu as envie de la mettre, donc tu mets la pédale comme on la met le plus fréquemment, c'est-à-dire par mesure, et tu la mets sur le premier temps, et surtout, très important, après tu vas la mettre juste après avoir joué ton premier temps, et tu la remets de suite, autrement tu vas avoir un trou. C'est-à-dire, par exemple, sur ta deuxième ligne, on la met en même temps que le La, Do, Mi, je fais ma blanche, je joue mon La, je mets ma pédale et je joue le reste. Pareil ici, juste après le Sol dièse, je la laisse appuyer, bien sûr, et juste après le Sol dièse, je la remets. Pense, je mets la pédale, pense pas, je lève la pédale et je mets la pédale, ça fait deux actions. Pense, je mets la pédale, pour mettre la pédale, forcément, tu vas lever ton pied. Donc, ça t'évite de penser à une action supplémentaire qui va te perdre encore plus, surtout si tu débutes. Après, quand tu as l'habitude de mettre la pédale, c'est pas du tout pareil, mais quand tu débutes, voilà. Donc, je vais te jouer par exemple la main gauche. Ah oui, très important, la pédale se met toujours par rapport à la main gauche. Donc, quand tu travailles ta pédale, travaille que ta main gauche et ta pédale. Du coup, deuxième ligne, tu mets ta pédale et là, tu la changes et tu la mets. Le Sol et de suite après. Ça c'est super important, c'est vraiment de suite après. Disons que quand si tu le fais au ralenti, tu as placé ton doigt, tu changes ta pédale, tu as toujours ton doigt. Autrement ça fait un trou. Si je mets la pédale sur chaque temps comme on pourrait vraiment le penser, ça va faire un trou. Si tu le mets en même temps, t'as vu, ça fait un trou. Là ça fait un trou. Et là c'est pas beau. Ça va hachurer le morceau, ce qui n'est pas joli. Donc ça, il faut vraiment que tu t'entraînes pendant des heures à écouter. Est-ce que ça fait un trou? Si ça fait un trou, c'est pas joli. Et maintenant, pour finaliser le morceau, raconte-toi une histoire et pense à ton morceau en général et pas note à note. Autrement, ça sera hachuré. Du coup, je te fais une version finale de ce morceau et j'attends tes vidéos sur le groupe.
voilà ma version. J'ai fait un petit accrochage à un endroit. À toi de me mettre en commentaire quel est le petit accrochage. Et n'oublie pas de liker si tu as réussi à faire ce défi en intégralité et à le partager tout autour de toi pour que tout le monde puisse en profiter. Et je te dis déjà à la semaine prochaine pour un défi spécial Halloween qui aura lieu qu'en une seule fois. Donc, à la semaine prochaine !